parts. Only things that are created and not destruct. Whatever it is to look forward to and whoever it is to chase it. If it works on the page, I know I can make it work on the movie screen. Lorsqu'un cinéaste s'empare du 7e art pour lui donner une forme moderne, se donnent souvent des œuvres uniques et marquantes pour les cinéphiles. Le réalisateur dont on va parler aujourd'hui est un cinéaste que l'on reconnaît tout de suite et qui est particulièrement apprécié des cinéphiles. Guy Ritchie est un réalisateur anglais qui officie dans la production audiovisuelle depuis près de 17 ans. Il a l'une des filmographies les plus singulières, passant par de nombreuses étapes réflexives et des instants de désarroi particuliers, mais toujours avec une logique, celle d'un amour pour la première fonction du cinéma, divertir, amuser et entraîner le spectateur dans des aventures uniques. Lorsque l'on pense à Guy Ritchie, on pense à un genre en particulier, celui de l'arnaque à tiroir. Et si l'on pense à ce genre, c'est parce que Guy Ritchie est un grand amoureux de ses personnages. Chacun de ses films est composé avant tout de personnages tellement uniques en leur genre, de marginaux tellement particuliers qu'il n'en existe pas deux comme les siens. Prenant toujours un pied ferme avec le spectateur par le biais d'un personnage plus régulier, Ritchie est avant tout un peintre de la folie la plus naturelle de l'homme. Il sait faire en sorte que ses personnages soient toujours l'essence même de ce que nous sommes, avec une pointe de folie. Chacun de ses films porte en lui un portrait profond de nos hantises les plus violentes, de nos vices les plus destructeurs et de ce qui fait de nous des hommes. Bien évidemment, ces personnages ne sont que la surface de ce que Ritchie cherche à peindre dans ses longs métrages. Car là où il excelle, c'est dans la mise en place de ces situations où il fait en sorte de nous perdre tout de suite. Car comment mieux faire en sorte que le spectateur suive une intrigue qu'en lui posant un millier de questions et en distillant les réponses au fur et à mesure? Ritchie pose toujours la bonne question au bon moment, entremêlant ses personnages autour de ses questions pour faire en sorte de ressortir de manière la plus claire la folie des réponses que l'on découvrira. Plus les personnages se dévoilent, plus ils sont loufoques, plus ils sont sincères, plus ils sont touchants tout simplement, et même quand il ancre son histoire dans le réel ou une mythologie déjà existante, Ritchie sait retourner ces éléments à son avantage. Le style de Ritchie est donc unique, mais il a connu des transformations, et pas que des mises à jour, également des choix qui ont déconcerté, mais qui restaient tout de même dans une certaine logique de peindre une facette du monde. Que ce soit en baladant ses personnages dans une ville fantomatique ou en les laissant sur une plage, le style de Ritchie restait pourtant dans une logique graphique. Cette logique graphique de Ritchie, c'est un jeu magnifique qu'il entretient avec la beauté visuelle de ses films, un lien puissant qui permet au spectateur de rester fasciné et accroché devant ses œuvres. Le rythme du montage et la dynamique graphique de ses plans permettent à Ritchie d'avoir un style unique, une force esthétique divine et entraînante à la fois, bref, de gagner en identité et en création visuelle. C'est donc ainsi, en tant que cinéphile, que l'on conçoit une œuvre de Ritchie, un film puissant et rythmé par un montage ciselé qui met avant tout en avant la dynamique des rapports entre les personnages. Cette dynamique qui doit être au centre de chaque film et que Ritchie met en avant, à la manière d'un Tarantino, par les dialogues. Ritchie est souvent auteur de ses œuvres, et ce n'est pas étonnant qu'on le compare beaucoup à Tarantino, car lui-même a été fortement inspiré par les trois premières œuvres du réalisateur américain pour son premier film. Scorsese est également au centre de ses films, et il s'amuse régulièrement à lui rendre hommage par un personnage ou par une situation faisant écho à ses aînés cinématographiques. Ainsi, les films de Ritchie sont avant tout des purs produits d'une cinéphilie magnifiquement retranscrite à l'écran et d'une fascination pour la pop culture, ce qui le poussera même à l'épouser littéralement durant quelques années. Bref, un film de Ritchie, c'est un amour du cinéma, un amour de la narration et des personnages. Certains trouvent que Ritchie ne se renouvelle pas beaucoup, et même qu'il passe parfois une bonne partie de ses films à s'auto-congratuler de ses précédents métrages. Il serait plus simple de voir en Ritchie un styliste qui réutilise ses propres codes, à la manière de Tarantino, et c'est là que la comparaison devient intéressante, car ces deux auteurs ont ce même amour du cinéma qui les pousse à rendre hommage à leur père et à se créer un style propre. Plonger dans un film de Guy Ritchie, c'est avant tout plonger dans la folie la plus jouissive de l'humanité et dans un plaisir de spectateur pur qui peut-être parfois pêche par un manque de pied-à-terre de la part du cinéaste. Folie, délire, jouissance, rythme et réflexion sont les mots qui définissent le mieux le cinéaste et qui font de lui un auteur captivant et unique.